Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du livre Les Schtroumpfs. Donc je l'ai reçu hier, le 22 mai. Aujourd'hui nous sommes le 23. Et donc je suis super contente. Donc je vais vous présenter le livre. Donc pour ceux et celles qui veulent garder la surprise, passez votre chemin. Moi, dès qu'il y a eu des vidéos sur ce livre, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai passé mon chemin puisque je ne voulais pas être spoilée. Donc, on va commencer avec les pages. Alors, par chance, je n'ai pas de décalage, le livre est nickel. Donc là-dessus, je suis super contente. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé. Hein. J'ai commencé hier soir. J'ai fait ça hier soir. J'avais très envie. Donc ce livre-là, je pense que je le ferai uniquement au crayon de couleur. Et dans l'ordre. Voilà. Donc, les pages sont normales. Dans les zones blanches, il n'y a pas de numéro ni de trait. Donc ça, c'est top. Au niveau de la charte de couleurs, je trouve que... Alors attendez, je pousse juste ma bouteille d'eau. Je trouve que les couleurs, on les retrouve facilement. Franchement, c'est une pépite. Vraiment, j'adore. Alors celui-là, par exemple, vous avez que 12 couleurs. Et les zones sont pas petites, elles sont moyennes, on va dire. Elles sont pas grosses, mais elles sont normales. Donc ouais. Donc je suis super ravie de ce livre-là. Donc voilà, je vous montre quelques pages hein, avec les couleurs. Donc c'est pas non plus, ils demandent pas non plus des couleurs. Spécifique comme certains autres livres et le monde des Schtroumpfs, moi j'adore. J'adore, je suis fan de Schtroumpfs. Donc je pouvais pas passer à côté de ce livre. Donc voilà. Et je vais juste vous montrer une double page pour que vous voyez que je n'ai pas de décalage. Je vous montre au niveau de la reliure. Vous voyez, les traits sont droits et de l'autre côté c'est pareil. J'ai pas de décalage, je suis super contente. Donc maintenant on va passer aux solutions. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, voilà. Donc là, vous voyez les 7 premiers. Il est magnifique ce livre. Magnifique, magnifique. Il n'y a pas une page où on ne voit pas un schtroumpf. Hein. Peut-être sur celui-ci, mais là, on voit quand même un schtroumpf en sable. Et ouais, j'ai décidé de le faire uniquement au crayon couleur. Donc ça va me prendre du temps. Mais c'est pas grave. Donc ça fait déjà un mois et demi que je l'avais précommandé. Donc je l'ai reçu hier. Il y en a, ils l'ont reçu bien avant. Il y a des illustrations. Il n'y a pas une seule illustration que j'aime moins que l'autre. Bah, je les aime toutes en fait. Hein. Il y en a que je trouve super mignonne. Par exemple, celle-ci. Je la trouve superbe. Celle-ci, elle est chou aussi.
Ouais, j'aime beaucoup ce livre. Celle-ci, j'adore. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Thème automnal, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien aussi. Alors, celle-là, c'est la seule où on voit pas de schtroumpf. Je crois que c'est l'une des seules. Mais ouais, j'ai hâte de faire la mise en couleur. Donc je vais continuer mon petit contour, mes petits contours, et puis je vais trouver mes couleurs au crayon. Donc voilà. Voilà pour les solutions, les amis. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai loupé une ou deux pages. Parce que ça me paraît quand même court. J'ai rien loupé du tout. Enfin, voilà. Donc, le prix du livre est de 14,95 €. C'est de Hachette Heroes et c'est Peyo. Hein. Alors, c'est qui a illustré? Je crois que c'est Peyo. Alors, ils disent quoi? C'est Alexandre Caram, l'illustrateur. Illustration et colorisation de couverture, c'est Alexandre Caram. Responsable, directeur des. Ouais. Ouais, donc non, c'est pas Peyo. Mais il est magnifique ce livre. Franchement, une pépite. Pour moi, c'est une pépite. C'est un livre à avoir dans sa collection. Donc voilà, les amis, je voulais vous partager ma nouvelle acquisition de mon livre, sur lequel je pense que je vais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et j'espère que cette petite présentation vous aura plu et que j'aurai l'honneur de voir vos colorisations. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!